C'est trop dur pour moi. On va réessayer. Allez, on y va. J'ai pas le droit de me prendre deux coups là. Non, fils de pute! Grenouille de mort! Ah putain! La luciole de ses morts. Mais d'où il est pas mort lui? Tiens, tu dégages, toi aussi. Allez, suivant là. Encore, encore, allez, on enchaîne. Ah, je me fais assaillir. La portée, wesh, allez. On peut pas tous les arrêter. Ah, le fils de pute. Offrez-lui un peu d'action. Envoyez des renforts. Non mais pas déjà. Ah la vache. Ah la vache. Ah non 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 non. Ah putain, mais je peux même pas partir en courant. Bah non, je jouerai jamais à ces jeux de con si je meurs à celui-là, t'es fou, évidemment. Ah, merci pour ton conseil, mec, j'avais pas fait gaffe à cette strat-là. T'as vraiment cru que j'allais avoir la patience de jouer à ça, mec? Je suis pas un gamer, moi, je suis à chier aux jeux vidéo, hein. Moi, je suis pas un streamer gaming, hein. Moi, je suis un streamer de la chillance, hein. Toi, t'es un joueur de gaming, moi, je suis pas un joueur de gaming, mec. Moi, je suis à chier aux jeux vidéo, hein, je l'ai toujours dit, hein. Ah bâtard, putain, non, mais si c'est la grenouille qui me fait des dégâts, c'est perdu en fait. C'est perdu en fait. Dégage. Ah putain, mais ils viennent dans mon dos. Mais putain. Dégage ta mère, toi. Ah, mais ils sont déjà là, eux. Putain, mais vas-y, soigne-moi. Allez, vas-y, découpe-la. Oh, quoi? Pourquoi ça m'a fait la tuer d'un coup? Quoi? Mais j'ai pas compris, mais je comprends rien au jeu. Je comprends rien au jeu vidéo. Je comprends rien au jeu vidéo, wesh. Je comprends rien au jeu vidéo. Mais putain! Est-ce qu'il s'arrête de m'attaquer à un moment où c'est non, là? Allez, tac, Jean-Mir! Putain! Oh, ça me fait suer la gueule, ça! Oh oh. J'ai besoin d'un style, BD. Mais frère, laisse-moi me soigner, toi. Oh la vache, fils de pute. J'ai besoin d'aide. Oh putain. Let's go! Oh là là, yes, ça fait plaisir ça. Sir Shog. Voilà, voilà. On a réussi, putain. Non, sans mal. Ouais, mon vaisseau!
Oh, let's go, c'est fini. Merci à tous pour votre force. Merci beaucoup. Putain, c'est un pneu. On s'est battu dans un pneu géant. T'es célèbre par ici. Ouais, des affreux, pas vrai. Ils ont peste l'huile de module. T'as l'air d'aller bien. Oui, mais on aurait pu se passer de ça. Une chance qu'on t'ait trouvé. On pourrait bien avoir d'autres ennuis. L'Empire a appris pour l'Holocron. C'est pas bon. Toute la mission est compromise. Et j'ai eu une discussion avec la deuxième sœur. Trilla. C'était la meuf que tu connaissais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit... Elle m'a dit que vous l'aviez livrée à l'Empire. Est-ce que c'est vrai ? Elle dirait n'importe quoi pour faire échouer la mission. Est-ce que c'est vrai ? C'était mon apprenti. Avant la purge. Vous auriez dû me le dire. On a reçu un message crypté. Ça vient de Kashyyyk. GG. Marie. Karl, on a trouvé Tarful, et il est d'accord pour te rencontrer. Mais ce n'est pas tout. L'Empire a réussi à nous déloger de la raffinerie. So a dû s'enfuir de la planète. Certains d'entre nous ont rejoint les Wookiees dans la forêt. Sois prudent. Toi aussi. Plus tard. Plus tard. On a une piste. Ok, tout va bien. Et tout va très bien se passer. OMG. Je quitte l'ami, je reste pour les stats, mais je vais gamer. Je vais gamer, t'es la gamer. Vas-y, à plus, mec. Faut qu'on cause. Merci d'être là, déjà, ça régale. Quoi ? Faut qu'on cause. T'es le sang, mec. Je sais pas trop ce qui se passe entre vous deux. Enfin, j'imagine que ça doit être un truc de Jedi. Mais si tu veux mon avis, c'est pas le bon moment. Pour... Ça te regarde absolument pas. Ouah, les emotes en masse. Bah, je suis absolument pas d'accord. On est tous dans la même équipe, pas vrai ? Hé, hey, Karl. J'ai commis une erreur. Et ça t'a presque tué. Je regrette. Peut-être qu'on fait tous des erreurs, hein. Peut-être que toi, non. Tu devrais être un peu indulgent. Je te dis pas de faire ça pour moi, mais tous les deux, vous êtes vraiment ce qui m'est arrivé de meilleur. Avant que vous débarquiez, tout ce qui m'importait, c'était d'avoir une main du tonnerre. C'est ce que disent les joueurs. Je sais ce que ça veut dire. La vie... Il s'appelle presque comme ça, mec. Pourquoi ça lag, là ? Je ne m'intéressais qu'à moi avant que vous arriviez dans ma vie. Je crois qu'il s'appelle Grimm. Ou un truc comme ça. Il me semble qu'il s'appelle... Un truc genre Grimm. Grimm Cujo. je sais plus comment il s'appelle, mais il a un nom comme ça. Ce brochure est magnifique, Grise. C'est sûr que c'est pas l'arbre des origines, mais ça fait son effet. J'aime ce que t'as fait avec les branches. Ah, merci, petit gars. C'est très gentil. Grise, je crois que c'est Grise. Il s'appelle Grise. J'ai eu un nouveau truc, je crois. Un nouveau matériau, je crois, il me semble. Ça doit être le celui-là, là. Attends, mais il me semble que je pouvais personnaliser et que j'avais pas mis ces couleurs là. BD en jaune, il est trop beau. Je le kiffe. Pareil, le mantis en jaune, il est beau aussi. On va mettre tout en jaune. J'adore le jaune. Donc, faut aller sur la planète des Wookiees.
à savoir ici. Let's go. Tu sais, même avec tout ce que vous me faites vivre, je frissonne toujours devant un bon match. Oh, tant que tu ne retombes pas dans tes travers. Oh ça, non, t'inquiète, je suis juste spectateur. Pas de paris ou de trucs dans le genre. Tu es sûr? Sûr, c'est pour la beauté du sport. Rien de tel que de regarder deux grosses brutes échanger des coups. Cette agilité, cette force brute. Yeah ouh, ouh, ouh. Capitaine, je suis assez perplexe face à ton penchant pour une chose aussi primaire. Ah, oui, je sais, c'est vrai, oui. C'est drôlement primaire, mais bon, c'est divertissant. Hé, hey, petit gars, assieds-toi, on y est. Let's go. Là, on s'approche du moment où je me rappelle plus trop. Parce que plus on avance et moins je vais être... moins je vais avoir fait le jeu. Là, pour l'instant, je crois que j'ai encore fait. Oui, j'ai encore fait, mais j'ai plus de souvenirs. Let's go. De ne jamais perdre mon temps avec les insurgés de ton espèce. Mais j'aimerais retrouver un Jedi, un Padawan. Et je sais qui est venu ici. Et pour cela, vous allez tous beaucoup souffrir. Ah, d'accord. Pas gentil, ça, en vrai. Pas cool, en vrai. Joysic et Marie ont marqué ton point de rendez-vous avec Tarful. Salut, Wookie. Marie m'a dit que vous étiez débordé. J'imaginais pas que c'était à ce point. C'est toujours aussi grave avec l'Empire. Mais tu as encore une chance d'accomplir ta quête. Je reviendrai vous aider. Tu en as déjà fait beaucoup pour nous. Merci, Cal. On détente. Bon, faut que j'aille où? Alors, faut que j'aille tout là-bas. D'accord. Bah, go prendre l'ascenseur. Hein. Ah, ok, c'est là. Wouah, le jeu est galère. Ok, c'est bon. Ah, on est déjà arrivé, ok. Faut que j'aille où juste? Que je descende là. Ah, j'ai 2-3 trucs par là que j'ai pas fait. Je pourrais aller faire ça en vrai. Aller là, je peux pas aller là, ok. Alors, du coup, ok, super. Ah, voilà, c'est un ascenseur. Ça, bon, on va y aller en ascenseur. Alors, ça marche. J'arrive. Ok. Alors, comment on fait pour aller où? J'ai un truc à faire par là. Inexploré. Vas-y, je vais y aller. C'est où? C'est par où sur la carte? C'est à ma droite, ok, j'y vais. Cal, tu me reçois? Serré m'a envoyé ta fréquence. Marie, est-ce que ça va?
Je vais bien, contrairement à beaucoup d'autres. Est-ce que Myriana t'a indiqué le point de rendez-vous? Oui, oui. Comment je fais pour aller là? Parfait, on vient d'y arriver, mais on n'y restera pas longtemps. L'Empire est à notre route. Je vous rejoins dès que possible. Eh bah c'était pas comme ça. Peut-être que là si je cours en vrai peut-être. Ah je suis sûr que je suis. Allez. Je suis sûr que je peux. Je réessaye. Ok non. Bon. Bon on va pas pouvoir faire comme ça. Tant pis. Mais par contre peut-être que là de là je peux y aller. D'ici là. Ouais je peux y aller comme ça, parfait. Ils attaquent quoi? Oh, ils se tapent une araignée, putain. Oh non, c'était au-dessus. Attends, mais j'ai deux endroits. Bon, je vais aller voir. Tant que je suis là maintenant, de toute façon. Il est où lui qui me tire dessus? Il est là, ok. Yes! C'est énorme, c'est juste énorme. Je suis plus fort que toi. Putain la pute. Ah! Oh là là, putain, je suis catastrophique. Hein. Je suis une galère, vraiment. C'est pas grave, tout va bien. Je sais pas où ça va me respawn par contre. Ah yes, bah c'est trop bien. Allez, on les a déjà vus, c'est bon. Eh, j'ai un peu la flemme, hein, du coup. Oh non. Non. Non, mais du coup, l'ascenseur, il est là-bas, mais non. Faut que je l'appelle. Attends, je peux l'appeler quand même. Dis-moi, je peux l'appeler. Ah oui, c'est bon. Hein? Attends, mais... Oh, j'ai eu peur. J'ai eu trop peur. Ok, donc, ascenseur. Hop, on décale. Et du coup, on descend et on va... Par là. Attends, mais c'est un coffre fermé, ça, non? D'accord, pas du tout. Ouais, bah vas-y. Hein. Carrément, je suis encore tombé, quoi. Mm-hmm. Donc bah j'ai l'impression qu'on va pas trop avoir le choix. Surtout que j'ai la pute d'araignée, elle a mon XP là-bas. Donc je devrais y aller, hein. Allez, tu dégages. Toi, connasse, prends-moi mon XP. Elle est trop grosse pour que je la pousse. Ah putain, la connasse. Je peux pas la pousser, pourquoi? Genre ma force, elle a pas assez de force pour une araignée. Allez, dégage. Oh.
Putain, la catastrophe, cette araignée. Ok, je sauvegarde là direct. Et normalement, j'ai un point de compétence. Donc ça devrait le faire. J'en ai deux même, parfait. Trop bien. Alors, je vais pouvoir faire quoi avec ça? Alors, Scalp peut effectuer une autre attaque puissante après une autre attaque haute. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est quoi tout en bas, là? Récupère plus de santé. Ça, en vrai, ça va être primordial. Hein. Augmente le niveau de santé maximal, ça peut être bien aussi. Augmente le niveau de force maximale, ça peut être très bien aussi. En fait, tous les trucs qui restent, ça peut être très bien, en fait. Mais j'avoue que je vais augmenter ma barre de vie. Ça, c'est trop important. Parce que là, vraiment, la vie, j'en ai trop besoin. Je suis dans un mode de difficulté. Je crois que je suis sur le troisième plus dur sur 4. Hein. Donc, c'est pour ça que je galère autant. Je suis pas un gamer, moi. Oh, je suis nul au jeu vidéo. Oh, mais non, ils sont tous revenus. Oh, la galère. Tiens, bah, tu sais quoi? Hop. Ah, toi, tu dégages. Allez, suivant. Salut, moi je me casse. J'avais pas vu ce petit interstice là la dernière fois. Ouais, il est parti ton mec. Dommage. Hop là, ça c'est bien ça. Patrouille à la base. J'ai trouvé quelque chose, on dirait une sorte de toile. Ah super, c'est vraiment super sympa quoi. Voyons ce que t'as trouvé. On a un nouveau poncho. Let's go. Ouais, ça fait camouflage, hein, classique. Bon, on va se le mettre. Oh bah tiens. Ah, elle me bouffe la tête. Une gigamigalos albinos. Arrête, arrête. Non, par pitié. Super, le camp non découvert, ça fait plaisir de se taper une giga araignée de plus. Allez, on la fume, on la fume, on la fume. Allez, allez, on lui casse la gueule, allez. Ah! Non! Non! Non, je veux pas tout recommencer. J'en ai marre de tuer des araignées géantes. RIP. Effectivement, on peut le dire, ouais. Effectivement. Au moins, j'ai pensé à faire la sauvegarde. Et ça c'est un grand oui, ça. Ah non, je vais être obligé de la tuer parce qu'elle a mon XP. Toi, tu tombes. Allez, araignée géante de ses grands morts. En plus, cette connasse, elle est obligée de me tomber dessus, quoi. C'est son arrivée qui est comme ça. Ah non, même pas, j'ai rien dit. Et en plus, elle regagne toute sa vie, oh non. Allez, on se concentre. On se concentre. En fait, elle fait que des attaques où je peux pas parer. C'est très énervant. C'est très très énervant. Elle est dégueulasse, hein, par contre. Ça m'est vraiment pas bien. Eh, je m'en sors bien là. Voilà ce que ça fait quand je me... Voilà ce que ça fait quand j'ouvre ma gueule. Putain, j'allais vraiment... Je me suis fait karma avant de finir ma phrase. Là, ça va beaucoup plus vite qu'un simple karma, là. Ça va plus vite que ma phrase. C'est trop grave, hein, ce qui se passe. Ça se passait très bien jusqu'à ce que j'ouvre ma gueule, hein, vraiment. Je vous jure que le combat, je le fais en full silence. Dès qu'elle arrive, je ne parle plus. C'est terminé.
Je te jure, hein, avoir autant d'attaques où c'est rouge et où, donc, où tu peux pas parer avec le sabre d'affilée, c'est vraiment grave. Hein. Allez. Forcément, elle arrive dans mon dos en plus, cette connasse. Et elle me tranche la gorge, bah oui! Bah oui! Parce que quand elle arrive sur moi comme ça, il faut que je spam rond. Mais quand je spam rond, il y a une fois sur deux où elle me tranche quand même la tête. Cette grosse chouin. Ta mère. Mais regarde, toutes ces attaques, elles sont rouges. Tiens. Hop là, j'ai compris, j'ai la strat. Putain, j'avais dit que je parlais pas. Ça va me retomber dessus. Non, c'est bon, je la tue maintenant. Let's go. Franchement, c'est vraiment pas facile. Joli scan BD. C'est vraiment pas facile. Bah du coup, je peux aller par là. Par là, il y a quoi? Ok, par là, je peux ressortir. Ok, bah non, du coup. Comment je serais pas serein d'aller là-dedans, moi? Ah, vraiment grosse flemme d'aller dans des marécages comme ça. Hein. Quand t'as des araignées qui font la taille d'un poids lourd, grosse flemme en vrai. Qu'est-ce que je fais ici? Attends. C'était juste pour débloquer, putain, un détour de merde. Voilà, c'est cool, hein. On a fait tout ça pour tuer une araignée. Et un poncho, hein, d'ailleurs. Tout ça pour un poncho vert. C'est cool. Tranquille, en vrai. Tout va bien. C'est pas grave du tout. Non, c'est pas grave. Comment ils savaient que j'étais là? Ah bah, ils m'ont vu par la fenêtre. Pour une fois, eux, ils sont pas trop cons, tu vois. Oh, salut les copains. Salut. Bon, c'était rapide, hein. Ouais, je suis où, là? Où est-ce que je suis? Faut que je passe la roue, là? Pour remonter après, ok. Faisons ça, alors. Merde, c'est pas le bon bouton. Moi, je suis une grosse merde, hein. Ouais, regardez, je suis bugué dans le mur. Mérité. Re la Sky Fox Sense. Allez, je suis un gros joueur de jeux vidéo, moi, vous avez vu. Tout ce que je fais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est trop bien, je suis un grand joueur. Ça, c'est très chiant, les points de respawn, par contre, vraiment. J'espère que c'est un truc qu'il n'y aura plus dans le 2, parce que c'est trop chiant. Des points stratégiques pour augmenter ses points de compétences, peut-être, s'il faut, mais... Des points de sauvegarde comme ça, c'est trop chiant. Pour moi, en tout cas, j'aime pas trop. Wesh! Mais ils sortent d'où, eux? Attention, voilà une grenade. Elle vient de me prévenir, là? Ah, la pute! Rattrapez-le, Jedi. C'est tout ce que tu sais faire. Mais attends, mais ils sont deux contre moi, là? Avec autant de vie? Attends, mais wesh, frère, c'est... Mais frérot! Mais ils vont se calmer! Mais! BD, ici! Grenade à capacité! Et t'as encore rien vu! Mais nique-toi! Mais putain, mais c'est quoi ces boss? Je les ai jamais vus, par contre, hein. Mais surtout qu'il y en a un sur deux, on s'en bat les couilles! Mais il est trop fort! Mais quoi? Mais quoi? Mais pardon! Mais ils sont intuables! C'est quoi leur force à eux? Ah! Je deviens fou, ça y est, je suis en train de tout casser. Par contre, eux, ils vont se calmer, hein. Je me les tape même pas. Hein. Comment ça peut être aussi énervé, quoi? Ok, je joue en mode de difficulté un peu énervé aussi, mais... Ah, mais ils sont même plus là! Attends, mais... Quoi, mais...
Eh, je te jure, je comprends rien à ce qui se passe dans ce jeu. Pourquoi ils sont plus là? Pourquoi ils sont... C'est par là que je veux aller? Ouais, c'est par là. Pourquoi ils étaient plus là, là? Eh, je pige pas trop. Hein. Il y a des trucs que je pige pas. Hein. Vas-y, tant mieux. Hein. J'avais vraiment pas envie de les taper, eux. Putain. Vas-y, bisous, mec. A plus. Ouais, c'est par là, hein. C'est par là, faut que j'aille, hein. Reste près de moi, BD. Ces trucs ont l'air rapides. Des dragons. Des dragons, d'accord. Des turbo-dragons, quoi. Ok, non, mais pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis.